Oui, parce que du coup, ça peut. Qui dure depuis longtemps et puis on espère bien à un moment donné gagner. Ça pourrait être même une grande victoire contre le gouvernement, la première grande victoire contre le gouvernement. Il se joue beaucoup de choses aujourd'hui. Bon là évidemment dans l'urgence il y a la bataille contre l'expulsion des agriculteurs. Et après c'est la bataille contre le projet. Il ne faut pas que les travaux commencent, il ne faut pas que l'aéroport se mette en place.
En plus, c'est un projet qui est complètement indéfendable, quoi. On a bien vu les magouilles, les tricheries pour arriver à justifier tous les arguments que les défenseurs du projet ont. Au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est du pipeau, ou en tout cas que ça repose sur des ou des chiffres mensongers ou des arguments qui tiennent pas la route. Donc voilà, donc nous, il y a une bataille à mener. Cette bataille, oui, c'est la défense de l'environnement, c'est la question sociale aussi, la défense des agriculteurs, du boulot. Et on se dit qu'il y a peut-être une possibilité de gagner. Et la journée d'aujourd'hui, eh ben, elle file la pêche parce que ça fait du monde. On ne sait pas, 20 000, 25 000, 30 000, on ne sait pas trop les chiffres aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'était une grosse manif. En plus, ce qui est bonheur, c'est que c'est très divers. Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes, évidemment, des zadistes. Il y a des moins jeunes, il y a des syndicalistes, là, c'est des associations, et des gens non organisés. Enfin voilà, ça donne une manifestation très riche parce que justement, on voit bien que c'est la population qui a envie de dire ça, qui a envie de dire non et puis qui a envie de prendre ses affaires en main, en tout cas d'essayer de jouer sur la suite des événements. Et là, ces derniers jours font penser qu'on n'est peut-être pas si loin que ça d'un réveil du mouvement social. On le voit avec le projet de loi El Khomri sur la destruction du code du travail. On le voit surtout avec, dans un premier temps, la signature d'une déclaration de l'intersyndicale qui a révolté pas mal de militants, parce que c'était vraiment en dessous de tout, quoi. Plutôt que de dire, eh bien, on va préparer la bataille, on va se battre pour empêcher le gouvernement de mettre en place une loi qui attaque encore plus l'ensemble des salariés, plutôt que de dire on se prépare à la lutte, ils ont dit on va voir, on va discuter, et ça a choqué plein de monde. Et là on s'aperçoit qu'il y a un réveil, donc du coup il y a des dates qui se multiplient. Le 9 mars c'est un peu un appel Facebook, comme on dit, du coup se rallie des associations, des syndicats, et on sent que ça bouillonne, quoi. Et on sent qu'il y a un ras-le-bol qui est là. On verra bien ce que ça va donner, on ne sait pas, mais en tout cas là on espère que effectivement c'est un réveil, c'est un déclic, et avec le combat de Notre-Dame-des-Landes, avec la bataille contre le racisme, pour la liberté de circulation, avec la solidarité envers les migrants, tout ça on peut espérer qu'à un moment donné, oui effectivement, il y a une vraie bataille qui se met en place contre le gouvernement, contre l'état d'urgence, contre les atteintes à la liberté publique, contre la crise, contre l'arrogance patronale, contre les licenciements, enfin, toutes les attaques qu'il y a aujourd'hui. Il y a peut-être à un moment donné des conditions qui seront favorables pour que ce soit un tous ensemble contre ces politiques-là. La motivation, elle est forte, vous le voyez aujourd'hui. En fait, en pratique, à Notre-Dame-des-Landes, je veux dire, s'ils arrivent avec les bulles, etc., il suffit qu'on tienne deux jours et après les renforts seront là, ils ne pourront plus bosser. Alors ils mettront l'armée. Politiquement, ce sera plus jamais vu. C'est assez difficile d'imaginer qu'ils arrivent à le faire. Et s'ils ne le font pas, moi je pense que la vie sera toujours assez riche, mais en même temps compliquée sur place. Parce qu'il faudra voir comment on continue à faire vivre cet espace que nous faisons vivre aujourd'hui. Donc, avec d'une part, par exemple, l'habitat léger, qui n'est pas toujours très légal et bien vu, etc. Les projets extrêmement diversifiés qu'il y a, qui ne sont pas tous légaux, mais qui nous paraissent tous assez intéressants. Des gens qui ont, comment dire, besoin un peu de souffler, qui viennent ici et qui trouvent un havre de paix un peu. Si tu te sens extrêmement seul et perdu en ville, t'es vraiment mal. Si tu viens sur la ZAD, t'es beaucoup moins mal. Tu peux quand même avoir des complications, mais t'es quand même infiniment mal. Donc toute cette richesse-là, ça fait quand même 2 ans qu'on y réfléchit ensemble. On se dit que tout ça, on se frotte très souvent les uns aux autres, mais qu'on tient à continuer à se frotter et à garder cette diversité-là, quoi. Et à faire les uns les autres à se mobiliser pour maintenir cette diversité. Que ce ne soit pas demain qu'un monde de squatteurs ou qu'un monde de paysans qui est grossi, etc., quoi. Ni l'un ni l'autre ne nous intéresse entre les gens qui sont là, quoi. Et ça nous tient vraiment beaucoup au cœur, quoi. Et voilà,
un des éléments, c'est par exemple tout ce qui a été détruit. Maintenant, il y a des caravanes partout, il y a des gens qui vivent partout. Moi, j'ai des voisins. Là où j'avais un voisin qui habitait dans une belle maison, que j'entendais grogner tous les jours et à qui je parlais pas, maintenant j'ai 8 voisins qui viennent m'aider chaque fois que j'ai besoin et je leur demande, ils se mettent en quatre pour m'aider, quoi. Donc, moi, je crois qu'on met en place un avenir meilleur, avec sans doute des tas de bêtises, mais des tas de choses passionnantes et porteuses, quoi. Et en tant que personne semi-âgée, moi, j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas fier du monde qu'on va laisser à nos enfants. On est la génération dont les enfants vont vivre moins bien, quoi. Ce qui est quand même assez scandaleux, hein. Et par la destruction de l'environnement, et par la destruction du cadre social, etc. Ils nous ont eu, quoi, les riches ou le fric, ils nous ont vraiment eu, quoi. L'amélioration technologique, elle s'est traduite par du plus pour le fric, et pas par du bien-être pour les gens, par du moins de boulot et du bien-être. On a complètement raté ça, quoi. Donc qu'il y ait des initiatives, même disparates, etc., autour de nous, mais qu'il soit une recherche autour de ça, je trouve ça magnifique, et il faut se battre pour que ça continue, quoi. C'est là que germe l'espoir. Attention, on pisse les artifices, on pisse les zones de prise. On l'a bien vu, il manque des WC, on va installer des WC de con, hein. Comme ça évitera de mettre du nitrate un peu partout qui font des mousses vertes. Bah, nous on s'en fout pas mal, mais vous ça peut vous convaincre. Et puis ça fait toujours 50 centimes de gagné, plutôt que de pisser dans la nature et que ça n'apporte rien à rien. Bah oui. Donc voilà, alors on est prêt à faire des ateliers participatifs, citoyens, de concertation précaire et temporaire, avec avis consultatif seulement. Nous, ce qu'on vous propose, c'est quand même les soldes d'hiver, qui maintenant sont presque des soldes du printemps grâce au réchauffement climatique, et on y travaille, hein. Sachez qu'on veut élargir la période des soldes. Donc ce qui serait bien, c'est que vous n'hésitiez pas à coller des trucs, allez voir les commerçants, trouvez des petits autocollants, des grands trucs comme ça, soldes, où tout doit disparaître. Collez-les sur la nature et sur les services publics. On a fermé pendant une heure, c'était l'empoignage, les gens en dessous. Ça c'est quoi ça? Thank you.
Par le vide. Pas loin, moi, merde.
c'est bon, ils sont arrêtés. C'est bon. Voilà pourquoi on essaie de la reculer. Eh, rejette-le là-bas. Merci gros. Ouais, la voiture. Oh, c'est bon. Tout va bien.